De remercier les électeurs qui nous ont fait confiance et nos militants qui se sont dépensés sans compter. Avec 25 ans d'absence illégitime et antidémocratique au Parlement, malgré son incontestable représentativité durant toutes ces années, le mouvement national fait à nouveau son entrée à l'Assemblée. Et c'est un énorme succès. Quant à moi, avec 49,9%, soit 114 voix d'écart, seul contre tous, des voix qu'il faudra probablement recompter lorsque l'on sait la manière dont fonctionnent certaines municipalités, je suis privé d'un siège du fait, il faut bien le dire, d'un redécoupage de la circonscription au bénéfice des socialistes. Ce soir, c'est à M. Guéant que M. Kemel doit adresser ses remerciements. Chacun reconnaîtra l'injustice qu'il y a lorsqu'avec près de 20% des voix, le mouvement national n'aura que 2 ou 3 députés. Dans le même temps, les écologistes, qui ont recueilli 2,3% des voix au présidentiel, devraient, eux, avoir une 20aine de députés. Mais au-delà de mon cas personnel, nous n'avons que des raisons de nous réjouir d'avoir atteint dans des dizaines de circonscriptions lors de ce second tour des scores spectaculaires, démontrant que les consignes des appareils n'ont été que très peu suivies et qu'une recomposition de la vie politique est en marche. Ce soir, l'UMP paye sa contradiction idéologique et ses compromissions politiques. Le centre disparaît. C'est dans ce paysage nouveau que nous entendons réunir autour de nous une grande force d'alternative au socialisme. J'appelle tous les Français à prendre contact avec nous pour entreprendre la reconquête. Les futures élections seront fondamentales. Nous vous y donnons rendez-vous pour que vive la République et pour que vive la France !